Jessica Thivenin, maman de Mylon, se confie sur ses difficultés avec son petit ces derniers jours. Jessica partage régulièrement son quotidien de maman avec ses fans. Depuis quelques jours, la Marseillaise souffre de quelques difficultés avec son petit Mylon. Le sommeil de ce dernier devient très difficile, ce qui contrarie Jessica. La maman a dévoilé avoir failli pleurer et péter un câble. Son bébé crie, griffe, tape des pieds au moment du sommeil. Elle se confie sur ses angoisses du moment. Que pensez-vous? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors, cette nuit, Mylon, enfin ce matin, je suis réveillée à... Je fais toujours mes jeux pour les cheveux. Hein. J'ai carrément mis... 7h30. Voilà, il a arrêté les... Normalement, il se levait à 8h avant. Hein. Après, il a rechangé son cycle de sommeil. Il est passé à 6h, 6h30. Et maintenant, le cycle, il est revenu. Et là, il repasse à 7h. Donc en fait, c'est pour ça qu'hier, j'ai eu au téléphone, parce que j'arrive pas à lui faire faire les siestes. Quand je le couche, il tourne dans tous les sens, tout ça. Enfin bref, ça devient tanné, il griffe, il crie. Enfin, il crie pas, mais il griffe, il râle. Bref, donc du coup, là, cette semaine, on est en test de changement de sommeil et en qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, donc ça, c'est ma semaine. Je note tout et tout, puis on va voir après. Elle est spécialisée dans le sommeil, donc c'est elle qui va m'aider. Voilà, formation là-dedans depuis des années. Voilà, donc je suis contente parce que c'est vrai que des fois ben, on comprend pas pourquoi d'un coup son bébé va crier, il va plus vouloir faire les siestes, on peut plus le mettre dans le lit. Mais voilà, donc c'est bien de le comprendre. Heureusement qu'elle est là, putain, heureusement qu'elle est là, je vous jure. Voilà, donc des fois c'est vrai que ben, je vous montre pas tout forcément parce que quand je suis en galère avec mon fils, que j'arrive pas à le coucher, que ben, je vais pas prendre mon snap et vous montrer et tout, mais je suis comme vous, hein, voilà, je suis vraiment une maman comme vous. Je galère des fois. Hier, j'avais envie de pleurer. Hier après-midi, je vous dis la vérité. Je regarde Timo, je dis j'en peux plus. Je vais péter un câble. Je dis je vais serrer. Je pète un câble. J'en pouvais plus. Je comprenais pas. Je l'ai foutu dans la poussette. J'ai marché dehors. Je suis revenue dedans. J'ai marché dedans. Je l'ai pris dans mes bras. Il me mettait des coups de fer. Voilà, genre, j'étais en galère comme plein de mamans. Ça arrive. Je suis en galère moi aussi. J'ai pas honte avec ça parce que ben, c'est un nouveau métier, on va dire. Parce que c'est un métier à plein temps d'être maman que j'apprends. Et voilà, donc des fois je vous montre pas, mais en tout cas je vous le dis parce que ne vous sentez pas seule. Des fois je suis en galère. Et là, ça fait quelques temps que je suis un peu en galère avec le sommeil. Et voilà.